En Irak, la ville de Mossoul est quasiment encerclée désormais. Le fief principal d'État islamique est la cible de raids aériens de la coalition de plus en plus intense. Et les troupes irakiennes au sol, qui ne sont qu'à quelques kilomètres, progressent toujours vers leur objectif. Il y a eu cette semaine plus de raids aériens de la coalition que pendant toute autre période de 7 jours, a déclaré dans un tweet l'émissaire américain auprès de la coalition, Brett McGurk. Les forces irakiennes kurdes, les Peshmerga, avancent par le nord et l'est. Les troupes irakiennes arrivent, elles, du sud. 136 positions de combat de Daesh, 18 tunnels que l'ennemi utilise pour se cacher et s'infiltrer au sein de certaines zones, et 26 voitures piégées auraient été détruites par les frappes de la coalition. Côté État islamique, jusqu'à 6 000 combattants seraient encore retranchés dans et autour de Mossoul, la plupart étrangers, les principaux chefs ayant déjà quitté la ville.